refilme, je recommence. Regarde le glitch, version 2. Donc là, c'est moi qui vais customiser, d'accord? Donc il vous faut un camion mobile. Donc il vous faut le garage dedans. Un ami avec un mode de visée différent de tous les autres potes, d'accord? Donc nous, on a un mode de visée libre. Là, on va détruire un peu le camion, d'accord? Un peu beaucoup même. Inventaire, munitions. Là, on va aller jeter une vingtaine de missiles au camion. Une dizaine. Combien tu as lancé là? Allez, c'est bon. Donc là, on a lancé une quinzaine de missiles, d'accord? Donc là, j'appelle Lester. Hop. On n'est plus les flics. Hey, which one of my skills is required? Donc là, mon collègue, il va me donner cette voiture. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Secure au serve, je le recrute. Donc, recruter partenaire. Hop. Donc je l'ai déjà recruté, il est déjà avec moi. D'accord. Vous recrutez votre collègue, vous le faites rentrer avec vous dans le camion. On va monter, on va sortir un petit coup, on va rentrer avec la véhicule. Donc là, on a tiré sur le camion pour qu'après, quand il va détruire mon camion, il n'ait pas trop de bombes coulantes à mettre parce qu'il est très costaud ce camion. Donc là, je rentre avec lui. Une fois que je suis rentré, lui, il va faire dans option, il va aller dans ami, il va rejoindre un de ses potes qui a un mode de visée différent. Dès qu'il a le message mode de visée différent, il reste dans ce message et moi je pourrais sortir du garage, d'accord? Donc il va faire ça, bam, il va rejoindre un ami. Dès qu'il a le message, il va me le dire. Il est sur le message, moi je sors. Donc lui, il reste dans le message, d'accord? Là, je vais ouvrir les derrière mon camion. Je vais le mettre au cul du camion. Dès que je vais vouloir rentrer dans le camion, je vais friser. Là, vous voyez, là, je suis bugué, là. Donc là, c'est bon, vas-y. Lui, il va péter mon camion. Dès qu'il aura pété mon camion, il va se suicider. Une fois qu'il sera revenu, qu'il sera suicidé, il va lancer une mission. Et moi, je vais le rejoindre dans option. Donc, je vais rejoindre le message. Et lui, il va quitter la mission. Et moi, je vais accepter les messages. Donc, ça me débuguera. Là, je suis bugué, je suis complètement bloqué. Vous pouvez regarder, vous avez un glitch aussi pour vous dupliquer des voitures comme ça, et vous avez la vidéo que moi je l'aide. Peut-être vous comprendrez un peu mieux la vidéo de juste avant, c'est moi qui l'aide. Donc là, il est presque cassé. Donc allez, péter, il est pété. Donc là, il va suicider. D'accord, vous pourrez dupliquer des dunes, vous pourrez dupliquer tout ce qui va dans un garage. D'accord. Donc là, il s'est suicidé, il va réapparaître, il va lancer une mission. Et moi, je vais commencer à aller dans Ami, ou même en ligne, d'accord, comme ça, comme dans ma session, je vais sur joueur, je vais sur lui. Là, il n'est pas encore, d'accord. Sinon, je verrai... Ça y est. Donc là, rejoins parti, d'accord. C'est bon, j'ai le message, tu peux quitter. Là, il a quitté et j'accepte les deux messages, d'accord. Donc là, je suis débugué, je trace parce que j'ai des flics, d'accord.
Hop. Bon, vu que j'ai appelé Lester tout à l'heure, je vais soudoyer les autorités puisque je suis en PDG. Compétences, soudoyer les autorités, je peux pas non plus. Ok. Donc on va essayer Lester, mais je vais enlever les étoiles, ça va aller plus vite. Une fois que j'aurai... Ah non, moi je peux appeler Lester, donc parce qu'on monte avec toi et prendre les étoiles, et du coup je pourrais l'appeler et on s'en occupe pas pour une. Ah non, je te demande avec toi, donc voilà. C'est bon, j'ai plus de flics. Ok. Donc, bon, les gars, là je descends de ma voiture maintenant. Je démissionne. D'accord. J'appelle mon camion. Non. Président d'un club de motards d'abord. Je me mets président d'un club de motards. D'accord. J'appelle mon camion. Donc tu fais renvoyer le véhicule personnel. Je renvoie mon véhicule personnel d'abord, pardon. Renvoyez votre véhicule. Hop. Là, maintenant, tu appelles ton camion. Là, j'appelle mon camion. Demandez le camion mobile. D'accord. Il dirige dans ma voiture. Je vois que le camion apparaît sur la carte. Donc, dès que le camion apparaît sur la carte, il dirige lentement vers le camion sans trop accélérer. Et à un moment donné, tu vas dans un écran noir comme ça t'as fait tout à l'heure, et tu vas rentrer dans le camion avec cette voiture-là. Donc là, je roule tranquille. Et en fait, je vais avoir un écran noir qui va m'envoyer dans mon garage directement. Ouais. D'accord. Tu te rapproches de ton centre d'opération mobile. Donc ça sera un. Voilà, juste de se rapprocher, n'allez pas à fond. Juste de se rapprocher, vous voyez, bam. D'un coup, ça m'a mis dedans. Je suis rentré avec sa voiture dans mon custom, dans mon camion. Ok. Et là, la voiture, elle est à moi. Et lui, il a sa voiture. Vous voyez, c'est pas plus dur, les gars. Tu peux leur montrer si tu descends avec la voiture. Tu sors avec la voiture, elle a bien une balise comme si c'était la tienne. Donc là, regardez, les gars. Je sors avec le véhicule. Regardez, la véhicule, elle a la balise. Elle est à moi, ça là. Elle est dupliquée, elle est finie, elle est réglée, elle est à moi. Voilà, sans frais. Franchement, il est énorme ce glitch. Donc profitez-en parce que ça va être vite patché. Donc là, maintenant, je peux lui faire la guerre. Il croyait que. Hein? C'est pas gratuit. C'est lui qui m'a tué. Bon, les gars, je vous laisse. Bon glitch. Ciao tout le monde.